Saint-Gervais, j'essaye de me mettre à côté de mon rêve. Et si je suis en train de me noyer, je me mets à côté de la rivière. Je préfère être celui qui regarde et pas celui qui se noie. Mais il y a un rêve qui est récurrent, c'est que je suis dans un très grand espace. Et qu'il y a une exposition qui doit s'inaugurer dessus après. Et je vois que l'ensemble est monté, mais il y a piétine. Petite angoisse qu'on peut avoir chaque fois qu'on monte une exposition, savoir si tous les détails seront au point, etc. Mon fils travaille beaucoup avec les nouvelles technologies. À la fin de l'année dernière, il m'a proposé, à partir de mes tableaux de dernière série d'alchimie, de faire des essais. En plus, dans les titres de mes œuvres des années 60 jusqu'à maintenant, une grande quantité de fois apparaissait le mot virtuel. Et aussi, dans beaucoup d'installations que j'avais faites, les spectateurs ont cherché à les envelopper, qu'ils soient à l'intérieur d'une expérience, qu'ils ne soient pas en face d'un tableau, qu'ils soient entourés d'un phénomène visuel, des fois un peu sonore, avec des mouvements, soit des mouvements des objets ou des mouvements de la lumière. En utilisant cet instrument, on peut faire des quantités de choses différentes. Alors déjà, ça c'était un peu dans l'esprit de ces choses qu'on peut voir avec la réalité virtuelle. Et c'est comme si le tableau prenait un volume, il commençait à bouger, comme si le tableau avait différentes formes. Puis en s'approchant, on rentrait dans le tableau et on pouvait le regarder de face, de profil, d'en haut, d'en bas. Il y a quelque chose qui fonctionne dans l'espace. S'il y a un volume représenté, on rentre à l'intérieur du volume. Il y a une infinité de possibilités pour faire des choses différentes. Il y a 4 ans, il y a eu la grande exposition que j'ai faite au Palais de Tokyo. Ce n'était pas une rétrospective à 100%, mais il y avait des éléments de différentes époques. Ici, c'était centré sur les tableaux plus récents, qui s'appellent Alchimie. Aussi, le thème de la surface, fait à partir des recherches sur la surface que j'ai faites en tout petit, dans les années 58, 59, et aussi des mobiles. Il y a aussi des formes de placement du spectateur, il y a des formes en contorsion, et d'autres choses. Et après, il y a des salles, des installations différentes. C'est pour ça qu'on a mis les titres de bifurcation, parce que des fois j'ai développé un travail en le faisant, en essayant, en regardant des résultats. Et des fois, ces mêmes observations me dérivent à d'autres choses. J'ai envie d'essayer, alors je vais vers les côtés. Ce qui est intéressant pour soi-même, c'est une obsession. Depuis que j'ai commencé, ou même depuis que j'étais enfant, une obsession, ça ne m'aidait pas si je ne pouvais pas trouver un initial de solution dans mon entourage, dans les éléments que j'avais autour de moi. Si je vivais avec mes moyens, je pouvais acheter des petits cartons, des papiers, de l'acre de Chine. Et au fur et à mesure que j'ai développé, je pouvais avoir d'autres moyens. Mais l'obsession, je crois qu'il était toujours dans le fond, comme développer des choses, voir, essayer, etc. Les certitudes que je peux avoir, j'essaie de les mettre à l'épreuve. C'est des certitudes qui se confirment un peu, c'est parce que ça passait par différents filtres, par différentes confrontations. Je sais que mon travail, avec toutes ces bifurcations qu'on parle, est à l'opposé d'un artiste monothématique. Je me trouve bien dans cette possibilité de changer, de varier, de faire des allers-retours, etc. Parce que ça me maintient vivre, il y a toujours l'attention présente.